Le président du Bloc libéral et coordinateur de la coalition politique pour la rupture est très actif dans les élections en cours au Libéria voisin où le second tour est prévu ce mardi 14 novembre. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2015 s'investit pleinement pour l'élection d'un des candidats même s'il ne le nomme pas. C'est l'intéressé en personne qui l'a dit au téléphone de Guyane et News, déclarant Je suis très submergé avec les élections au Libéria. Je suis rentré à Gekedou, mais je passe le temps à appeler pour mobiliser l'électorat, chercher l'argent pour la sécurisation du vote. À la question de savoir s'il a un candidat là-bas, il répond sans équivoque J'ai un candidat. Ce qui le met relativement en retrait par rapport à l'actualité politique guinéenne qui s'avère lassant par moment, y compris pour les principaux acteurs, à l'image de Dr Faya Milimuno, arrivé quatrième lors de la présidentielle de 2015. À moins que dans sa stratégie, le président du BL compte s'appuyer sur son candidat qui ne peut être que Joseph Boké, si ce dernier gagnait contre le sortant, Georges Weya, pour booster son projet politique en Guinée.